Bonjour, connaissez-vous le jeu de Toc? Il s'agit d'un jeu de stratégie d'origine canadienne qui se pratique à 4 ou à 6, un jeu qui se rapproche des petits chevaux, mais avec des cartes. Un tournoi de Toqué était même organisé fin novembre à Gens. Plus de 60 participants. Pulseo a fait Toc Toc avec sa caméra. C'est un jeu convivial, on joue soit à 6, soit à 4. Oui, c'est stratégique, plein de choses en fin de compte dans le jeu. On peut pas dire au prochain tour on va faire ça, non, parce qu'entre temps il y a 5 personnes qui jouent avant nous, donc ça peut évoluer. On peut jamais faire sa petite stratégie avant, quoi. À chaque fois on joue par deux en fin de compte avec son partenaire, quoi. On distribue d'abord 5 cartes et on va échanger une carte avec son partenaire, donc là c'est stratégique aussi, parce que là où il est rendu dans le jeu, on va lui donner soit la carte pour qu'il mange quelqu'un d'autre, ou soit la carte pour rentrer. Là, effectivement, quelqu'un qui est prêt à rentrer, il permute avec une autre bille. Donc si on a un valet, hop, on va permuter, même si on est prêt de rentrer, on va l'embêter, quoi. Ou alors si on tombe pile sur un pion, on va le manger aussi, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très stratégique et très méchant aussi, quoi. Si on veut, on peut manger, on peut embêter les autres, quoi. Oui, je couds, oui, j'ai ma couture, j'ai ma machine à coudre et tout, j'ai mes machines pour faire travailler le bois, donc je fais tout. C'est moi qui fabrique tous les jeux, donc les housses aussi, le transport, donc voilà. Et le Toc se pratique dès le plus jeune âge, il suffit de savoir lire les cartes. 6 ans, dès lors que les enfants savent lire les cartes, ils comprennent très facilement. Après, eux, c'est plus la stratégie qu'ils n'ont pas. Mais à 6 ans, on peut dire dans ce cas-là qu'on joue chacun individuellement. Mais pour les enfants, c'est bien aussi parce qu'ils ont souvent l'habitude de jouer individuellement. Donc là, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils regardent aussi le jeu de son partenaire. Donc, du coup, il faut qu'ils sachent aussi des fois donner des bonnes cartes pour que du coup les deux puissent rentrer. Le jeu de Toc que vous pourrez acheter sur le marché Noël de Sucé-sur-Erdre les 13 et 14 décembre et sur celui de Fête-Bretagne le 14 décembre. Le jeu est également disponible toute l'année à la boutique Brindisée à Nozay.